Salut à toutes et à tous, Marty Japan, on se retrouve dans le jeu de Bandai Namco, savoir Dragon Ball Z, Dokkan Battle, avec un écran de titre fort sympathique et un portail qui fait saliver pas mal de joueurs, du moins de ce que je peux en voir à droite à gauche. Bref, je lance le petit jeu et comme d'habitude, je vous invite à regarder cette vidéo à la verticale, et j'ai bien dit à la verticale depuis votre smartphone ou votre tablette, puisque le tout s'adapte parfaitement à votre écran. Bref, on vient les petites notifications et comme vous pouvez tout de suite le constater ici, il y a 150 pierres de dragon, bordel de merde. Alors, portail qu'on a déjà exploré un peu dans tous les sens, on a vu les animations de Son Goku, oui, je me détache les cheveux en mode bagosse. Et je vous l'avais dit, on allait se refaire de la multi-invocation ensemble et je suis chaud, vraiment très chaud. Au bout de la troisième multi-invocation, la quatrième est gratuite. Et ça, ce n'est pas à négliger. Bref, ce sera mes quatre dernières multi-invocations. Parce qu'après, bien, je vais avoir un peu de mal à choper des pierres de dragon. J'arrête de parler. Hein. Hop, si vous voulez voir les petites animations, eh bien, je vous invite à voir ma précédente vidéo. C'est parti, on y va. Bon, les amis, j'ai retourné... Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça, là? C'est la première fois que je vois un tel décor avec le ciel fissuré. La première fois que je vois ça, je suis perturbé, je sais même plus ce que je voulais vous dire du coup. Nail dans les parages du Likum. Bon, on va se taper les Ginyutok Sentai, pourquoi pas? Allô? Qu'est-ce qui se passe? What? Mais je ne comprends rien. Je me gratte la tête. Donc il y a eu une sorte de décor où le ciel était déchiré avec une météore bleue. Je suis passé en Super Saiyajin 2 et what? What the fuck? Bon, bah écoutez. Oh, tu me sors par le fion, toi. La petite videlle. Oh, la petite videlle qui est juste derrière. Elle est juste là. Voilà, juste là. Mais tu la vois pas parce que l'écran est trop petit. What? Dodoria-san. Zarbon-san. Allez, le petit dabra. Je suis dans l'espace, là. C'est... Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? De la SSR avec du Guan en Super Saiyajin 2. What? Non mais je bug. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Hop. Bon. Bon, bah c'est tombé. Je sais pas quoi faire du coup. Est-ce que je continue et je me fais un petit kiff pour essayer de choper beaucoup plus de personnages en mode. Allez, vas-y, le LR, je le fais péter. On va le péter. Enfin, je le booste. C'est ça que je veux dire. Putain, je suis sur le cul. Qu'est-ce qui s'est passé? Où on se fait le portail Freezer? Bah écoutez, on va se faire le portail Freezer. Par contre, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas 4... Ah, c'est quand même alléchant, quoi. Si je fais mes deux, j'ai ma quatrième multi-invocation gratuite. De ce côté-là, Freezer, il faut que je chope 50 pierres. Hein? Frieza-sama, je suis plus tenté de faire le Goku pour le booster, mais what? Allez, on va faire ça. On va faire le petit Goku. S'il veut bien se lancer. Voilà. Oula, le téléphone, tiens le coup. Allez. Tout ça parce que je veux ma multi-invocation gratuite, c'est tout.
Là, c'est que du bonus. Eh bien, les amis, je suis totalement sur le cul. J'ai chopé en moins d'une minute, enfin, j'imagine, le perso convoité du moment. Voilà. Je vous rappelle que pour moi, Dokkan Battle se résume par collection de personnages à la Pokémon. Je vais quand même tester le Goku. Je vais le basculer en LR, je vais le booster un petit peu, etc. Mais j'ai déjà mes petites teams, mes decks à droite à gauche. Et le jeu, globalement, je l'ai torché dans tous les sens. Que ce soit au niveau des boss, au niveau des persos à péter. Enfin, faut leur péter les gueules, etc. Voilà. Donc, que le Goku soit plus fort que le Freezer, ou que le Freezer soit plus fort que le Goku, blablabla. Eh bien, concrètement, je m'en fous. Et je pense que les joueurs de haut niveau le savent. Pour le moment, ben, quand tu as atteint un niveau, Dokkan Battle devient non pas ennuyeux, mais plat. Et tu vas dans le jeu, surtout pour faire de la multi-invocation et de la collection de personnages pour choper au cas où les personnages qu'il te faut pour, sait-on jamais, quand il y aura un mode ou quelque chose de nouveau qui débarquera pour justement péter des gueules avec les personnages adéquats. Voilà, je le vois comme ça. Après, je tiens à le rappeler, bon, on a chopé une SSR et après c'est que de la SR et de la rare. Je tiens à le rappeler, un jeu tel que Dokkan Battle, c'est un jeu à votre image. Hein. Ne suivez pas les règles imposées par les influenceurs, les youtubeurs, les joueurs. Un machin est plus fort que machin, c'est lui que tu devrais mettre dans ton équipe. Non, tu t'en branles, c'est toi le joueur. Mets ce que tu veux dans ton équipe. Si tu veux un personnage bidon dans ton équipe, tu mets un personnage bidon dans ton équipe. Par contre, si t'arrives pas à avancer, essaye de changer de perso, de voir ce qu'il te faut, etc. Mais tu joues à ton image, tu joues à ton rythme, et non pas parce que c'est un personnage que les gens, on va dire, imposent sur la toile. Tu n'es pas obligé de le mettre dans ton équipe, c'est ça que je veux dire. Bref, je m'égare. Mais encore une fois, ce genre de jeu, free-to-play et compagnie, c'est un jeu à ton image, tout simplement. Le thank you Dragon Ball, merci Dragon Ball. Voilà, par exemple, ça c'est un personnage. Il finira jamais dans un deck. Jamais. T'as beau me dire, c'est un personnage qui déchire, il est puissant, il pète des gueules, je m'en branle. Il finira jamais dans mon deck. J'aurai toujours une alternative avec tous les personnages qui existent dans ce jeu, avec toutes les possibilités et les combinaisons qu'on peut avoir et faire, eh bien, il y aura toujours une alternative. Voilà. Faites votre jeu, ce jeu, à votre image. C'est mon conseil du jour. Par contre, dépensez pas de pognon, on déconne pas. Son deck. Quand je vois, j'ai des potes qui mettent des sommes astronomique dans ce jeu. Chaud. Et pareil, ils sont dans un moule collection de personnages et non plus game pur. J'aimerais bien que Bandai propose un nouveau mode histoire. Ce serait sympa, quoi. Qu'est-ce qu'on a chopé un peu dans les parages? De la SSR avec Slug. Et voilà, quoi. Allez, la petite multi-invocation gratuite. Et puis on va se laisser, les amis. J'ai beaucoup philosophé aujourd'hui. Le jeu à ton image. Mets les persos que tu veux. Blablabla. Et j'aime bien parce qu'il y en a toujours un qui va venir contredire en disant « Non, faut mettre le personnage le plus fort, machin, etc. » Alors que tu peux prouver qu'avec un personnage moins fort et avec une bonne équipe, une bonne team, eh bien, tu peux torcher le jeu. Et il y aura toujours, encore une fois, un personnage différent qui pourra remplacer ce personnage fort, un personnage différent qui te contente. Voilà. Il est dégueulasse, là, le Guldo. Le design est dégueulasse. Donc là, ouais, c'est du blabla. C'est du blabla, puis de la multi-invocation comme ça, voilà, rapide. Voilà.
Super Saiyajin, je le supporte plus, lui. Faudrait que je fasse un peu de ménage également dans ma box. Putain, tu vois les vieux designs, là, Piccolo, avec des pixels un peu partout. Au secours. Ça commence à fatiguer le téléphone. Tiens le coup. Oh là, je m'en branle, toi. Petit Potamo. Je préfère Yadilobé. Je préfère mettre un Yadilobé qu'un Potamo dans mon équipe. Oui, mais Potamo est bien plus fort. Je préfère mettre Yadilobé. Bref, certains me comprendront, je pense. Ouais, un petit SSR de Gohax. Bon. Mais écoutez, je suis très très satisfait de ce que j'ai chopé. Je vais faire du ménage dans ma box. Il n'y aura pas de multi-invocation prochainement concernant Dragon Ball Z, Dokkan, Battle. Oui, le téléphone chauffe. Mais putain, je suis content. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Et puis je n'ai rien d'autre à dire. Mis à part que j'espère que ces petites multi-invocations du jour vous ont plu. Restez à l'écoute. Hein ? Restez à l'écoute ! Hey, le dragon ! Oui, les petites machins de là ! Arrêtez, putain de merde. Elle est imposante et elle déchire, bordel de merde. Putain, je vous tease et en plus, je vous donne une conclusion avant de vous balancer la vidéo. Bref ! Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!